Ça, c'était une roulade gratuite. Normalement, c'est 1500 points. Donc maintenant, en échange, il va falloir s'abonner à la chaîne et mettre un like. Oh non, pas Zididi, frère, c'est bon. J'ai un compte Zididi en vrai, je déconne. J'aime bien cet Artir en vrai. J'aime bien cet Artir. Tu peux jouer Séraphine, tu peux faire des statiques, tu peux jouer Vex. T'as plein de trucs cool avec Artir, je pense. Je pense que c'est un vraiment bon staff en vrai. Vu que Artir, je peux partir Innovator, c'est pour ça que je hold lui là. La question se pose pas. Enfin, après Syndicate, c'est pas si nul. C'est assez obvious de ce qu'on va prendre, je pense. J'ai la flemme de réfléchir. Voilà. Clean early game, clean early game. Y'a pas de push par contre. Attention, vas-y. Là c'est important de le détruire parce que j'ai rien à rentrer au 4 et j'ai envie de push vu que j'ai envie de win streak. Donc faut le des unités pour pouvoir. Qui pourrait potentiellement rentrer, tu vois. Darius non du coup vu que j'en ai déjà un niveau 2. Et voilà. Ça ça a beaucoup de value les mecs. Hein. Si vous êtes pas très relo, oubliez vraiment pas de faire ça. Vous voyez là comme ça j'ai un niveau 4, mais ça aurait pu être 2 Caitlyn, tu vois, c'est très fort. Ou 2 Garen, c'est pas ouf, mais mon 2 Garen, pourquoi pas, hein, ça rentre. Je peux juste syndicate aussi d'ailleurs. C'est peut-être une game Heimer, c'est peut-être. Ça peut être plein de games là. Je pense pas que ce soit Garen. Il y a une paire, je sais, mais. Je sais pas. Je peux faire ça et acheter Garen si on me le donne. Je suis pas fan de Garen 2 sans protector ou académie, tu vois. Pas beaucoup de dégâts, pas beaucoup de tankiness. C'est un peu une fake unique dans ce cas-là. Ah mais là Sri Loven, en fait de toute façon j'ai forcément gagné l'early game, enfin Sri Loven 2 c'est trop fort. J'ai pas forcément gagné mais c'est trop fort. La trade sector métabolique. Ok ok. J'ai envie de push ça là. Si je vends tout je peux acheter talon et push. Je pense que je vends même ça pour faire de l'écho. Après je peux juste pré-level et. Acheter ça, tu vois. Je pense que c'est le play. Parce que j'ai tellement d'upgrades, j'ai plus rien à faire au niveau 4. Faut que je passe niveau 5. Faudrait que j'entre un bon gros scrap là, un écho ou je sais pas. C'est beau. Ou alors une Samira, tu vois. Challenger. Oh. Après, scrap ça a pas beaucoup de valeur parce que là j'aimerais bien aller chercher une rod pour faire Spark. Même si sur un one cost je le fais là, je m'en fous. Non, j'ai l'écho qui me permet de faire ça si je win derrière. Non, s'il te plaît, Serge. C'est un ouf, il s'appelle Serge dans le jeu. Frère. Comment ça, Serge? Franchement, il y a des AP, je suis chaud de fin de déclos. Hein. Je m'en bats les couilles. Go fin de déclos, hein. 3 gold. Je peux checker le social life grâce à ça, c'est pas plus mal. Pas ouf le social life. C'est un bon social life de Lissandra ça. On va attendre avant de slam, ça peut être ça. J'ai deux rods, enfin j'ai deux fois ça là, je peux même jouer Trundle. Hein. C'est quoi, je vais vendre parce que je peux jouer Trundle. J'ai envie de hold Lissandra aussi. Juste Artir, genre une autre tir.
J'ai un start, c'est un peu dur d'aller sur Trundle parce que j'ai déjà des bodyguards en vrai. Je pense que tu vas pas sur Trundle dans une situation comme ça, c'est surtout que j'ai pas l'écho pour pouvoir assumer derrière. Je pense qu'on va juste vendre ça, je t'ai Lissandra. Je veux Lissandra parce que par contre si j'ai une autre Lissandra ou un autre Heimer ici là, c'est pépite. Y'a que lui qui est à peu près fort en vrai, qui est même plutôt fort. Je vois ça. C'est pas lui je crois. Il est fort. Il est pas dégueu lui aussi non plus mais. Je pense que je gagne dans tous les cas, je suis niveau 4. Je suis niveau 5 et niveau 4 mais. Go slam la glow, de toute façon. Les chances que j'en fasse autre chose sont assez faibles. Puis ouais, y'a pas de raison. Parce qu'après la Yonic, t'as pas vraiment quoi faire avec une claw. Surtout si t'en as pris une en carreau. Je suis en 5 win, franchement je peux rentrer un KN2 là. Juste pour être un peu plus fort au 6. Parce que là le fou, Zidodo, Cadel, ça va être mes match-up. Ouais, The New School Comp. Bah là on regarde, on prépare, il y a une Lissandra ici là. Mais tu sais que je l'ai grave joué aujourd'hui, j'ai fait que des résultats de fou. En fait j'ai craqué la compo là, c'est bon. No joke, elle est broken la compo. J'avais un bon pressentiment. C'est le Tolena. Hop. Un début de scrap, c'est pas mal aussi. J'ai fait, je crois que j'ai fait genre top 2, top 3 aujourd'hui avec ça. Je fais 16 peut-être. Non, c'est unique ça. Oh, monsieur. Vous ici. Je manque un peu de dégâts là. On peut faire ça en vrai. Cracked compo, exactement. La compo des Cracked. Si tu veux, je t'envoie un lien. Hop. Je vous la montre comme ça en plus à tous, c'est bien. Après, là, dans le temps l'idéal, faudrait vendre tout, tu vois, pour rester flex. Là, je peux même jouer de Jean en soi. Je vais hold parce que je suis vraiment bien dans ma game, mais c'est pas le meilleur play. Je pense que je vais Garen là. J'aurais bien ces deux là en fait, mais je pense que c'est moins fort que Talon en fait. Nice, you win. Des points à faire. Alors, il peut roll, le cork, faut niche. Là, j'ai un très bon opener pour jouer Jean. Hein. Je vais faire ça pour l'instant. Donc, ça, c'est la compo. On va win le fight. Ça, c'est la compo. D'accord. Et tu mets tes items tank sur Taric. Des items carry sur Lissandra et Heimer il prend un peu des items utilitaires. C'est-à-dire il va prendre Gunblade, statique, des trucs comme ça. Il va pas prendre d'items de dégâts en fait. J'ai pris Clockwork Art. Là j'ai que de la paix là. Non s'il te plaît mon gars, s'il te plaît, mais vas-y frère, tu sais même pas pourquoi tu le prends. Oh là 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 là. Il prend ma rod, une rod, t'es en train de jouer Samira gros. Tu t'es trompé de rod, Harry. Je pars Academy, mais est-ce que ça va en va? Je pense pas. Let's go. Putain, quel value. Quel value de Windsurround. Incroyable. Fidèle à son poste, il fait quoi? Ah. En bas. En bas de la pyramide. Il est là, là, en bas, là. Franchement, j'ai pas assez d'item Jean pour jouer Jean en vrai. C'est à toi avec ça. En fait, je pense que cette compo, t'as même pas besoin d'item. T'as juste besoin d'item tank. Donc, je pense que je peux la jouer quand même.
Et go commit, de toute façon j'ai pas besoin de ces unités là. J'ai tellement envie de jouer Heimer là. Est-ce que c'est pas du griff? Je sais pas, ça dépend de ce qu'on a là en fait. Je regot ou Heimer. Mais aller sur Got là ici, ouh, c'est un peu dur. C'est quoi déjà le. Ah ouais. Voyons voir. Voir ce qui se trame dans le paysage. Dans le paysage français. Nod. Une épée. Une tire. Bizarre si ça. Cette histoire là. C'est un peu louche là quand même. Attends, ah oui, c'est Ezreal qui sort. Au pire pour l'instant, on s'en fout de Scolar. Combien, mais ce soir je suis détendu. Ok, trust, c'est ça. C'est le play. Ok, c'était pas le play du tout. Un peu seul, j'en ai fait mon board là. En fait, je fais Yu pour l'instant, mais ce sera Yu Jewel d'après sur Lissandra, parce que c'est son best in slot. Après, je peux jouer ça aussi, quoi. S'il me donne aussi 12 000 items pour jouer Urgot, c'est peut-être Urgot, mais. Ouais, mais il faut Jewel en fait, sinon ça n'a pas de sens tant qu'on va attendre. Non, mais en vrai, je pense que là, je suis en train de troll si je veux jouer Aimer ici, non? Ok, est-ce que ce serait pas une game Clapio? C'est maintenant ou jamais, la game Clapio. Full item tank sur lui là. Item AD sur lui là. Oh là là là, dingue. IE Hoge, Morello sur le man. Ok, c'est la game Clapio. On va peut-être perdre plein d'LP mais. C'est le bold move. On fait un Morello là. Allez, c'est parti. On commit. Je sais pas comment ça se joue. Hein. Je sais même pas les autres unités. Enfin, ça paraît assez logique, tu vois. Il n'y a pas 15 unités sur le board au final, mais. Oh, il apparaît gêne là, je crois. Hein. C'est une bonne boss. Juste deux Galio. Donc quand même faudrait une Hoge. Et voilà. Je connais pas du tout l'itémisation, je n'ai aucune idée. J'ai vu, dites-vous, ma connaissance de la compo se limite à un board lol chess. J'ai vu un board lol chess. Et voilà. C'est une game Clapio. Depuis c'est une game Clapio en fait. Ok, Victor. Là, je vais me prendre une là. De la merde. Tariq 2, du coup. Over Fiora. Hoge ici. Mais y'a pas de Clapio là. Y'a Runan BT. BT? C'est pas JS hein? Il a pas la régène de Socialite? Oh non, mais là il se fout de ma gueule. Bon, une fois. Après, ça me pourrait me faire 4 Clockwork gratuit, tu vois. En en jouant juste un et je joue Rihanna en late, et puis voilà.
Allez. Je fais Queen Fall. Max. Disons qu'il y a un problème dans ma compo là quand même. Je saurais pas mettre le doigt dessus mais. Disons qu'il y a un petit problème non? Non! Oh non, c'est pas grave en vrai. Faut que je saute ces deux-là là pour ces deux-là. Je vais pas juste me laisser jouer claquer au pire. Comme ça au moins on s'amuse quoi. À terme, on joue ça. Okay. L'idée, c'est de jouer Galio, over ça, et ça. On sort Janna aussi. Et on rentre Brume. Mais il veut pas me... Oh! Ok, c'est maintenant. Et j'ai un ruinade en plus. Oh la dinguerie, ok. Est-ce que vous avez déjà vu un streamer plus tchad que moi? C'est une vraie question. Je pense pas. Je donne la réponse, je ne pense pas. Ok, bon, c'est un peu... un peu décevant. Pas grave, le board n'est pas fini, c'est normal. Petit copium là, le Jiggy. Là je compte j'ai un Anki, j'en trouve un autre, je le nico, c'est fini pour eux. Beaucoup de chiens là quand même. De 200 d'AD, hein, c'est vraiment ridicule. C'est ridicule, c'est nul à chier. Vous pensez que j'allais dire c'est incroyable, mais c'est de la merde. Puis il se fait Lissandra, là, comme si ça fusille pas. Il est plus sous Lissandra. Clapio, Clapio. Est-ce que Brome 2 est très important en vrai? Le stun est plus gros. On va lock. Kalukaru, s'il vous plaît, je prie les dieux là. Si Didu me le griffe, il est sur la hitlist, c'est bon. Mais j'ai pas de shred en fait. C'est dur là. De toute façon, tout ce qu'il me faut, c'est l'IE là. L'IE Hodge, c'est déjà pas mal. Oh les patates. Attends, il se fait pas one shot hein. Trilovent. Ok, il recast. Clapio. Clapio, c'est fini pour eux. Ok, pas mal. Ok. C'est maintenant. Mon cas, en majuscule. OMG. C'est fini pour toutes ces personnes. Pour tous. Attends, je vais roll une fois. Deuxième fois. Ok, on sait jamais. Hein.
Clapio Time 320 AD, frère. Full Armor, Colossus. Il fait des patates de forain à 160 de dégâts magiques, bonus. J'ai pas de Jewel Gauntlet, malheureusement, ça peut pas crit, mais c'est pas grave. Et c'est en AoE en plus. Oh là 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 là. Maman Seigneur, quel compo. Là, bon, il est mal positionné, mais il va se repositionner avec son cast. Oh là 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 là, Clapio. J'ai vu sur Reddit un mec, un challenger, qui disait « Je pense qu'il n'y a pas meilleur scaling que Clapio. » Que tu peux pas outcap un Clapio. C'est super dur à hit, mais tu ne peux pas battre ça en late. On va voir ça, hein. 320, en fait, 320, c'est énorme. Bah, c'est la plus grosse BSAD qu'il y a eu dans le jeu de toute l'histoire, en fait, c'est normal. En plus, j'ai 4 Clockwork, hein, donc il attaque très très vite pour un Colossus. Il attaque extrêmement vite, genre. Parce que là, ce stat Clockwork, c'est quoi? C'est 50% au moins d'attaque speed, un truc comme ça. Plus même, non? C'est 60% d'attaque speed. Il a 1-1, c'est énorme, en vrai. Regardez la différence. Enfin, lui, de base, c'est 0-6. Et lui, c'est 0-6-5. Enfin, les tatanes. Les patates de forain. Je peux pas 9, il me faudrait Brom 2 je pense, vraiment pour faire 9 tranquille. Parce que comme j'ai vraiment 0 unit sur le board, autant qu'elle soit forte quoi. Je peux pas juste mettre des units random. Brom 2 il castera tout le temps. Après non, il est trop contest, je pense que je vais attendre, je vais pas chercher. Je sais pas, faut que je scarpe un peu peut-être. Attends, je sais pas si j'ai update, je suis désolé, je crois que j'ai oublié d'update mon nombre d'LP. Désolé de vous décevoir, je suis pas à 180, je suis à 139 là je crois. Oh merde, j'ai tué les idées de vie. Oh merde alors. Quel call. Oh, le reforge. Ok, pas mal. Ok, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal parce qu'en plus, ça me fait une tir. Du coup, si je fais ça, boum, on a 110. Je pense que c'est fine de faire ça. Eux deux ils sont assez tanky. Même lui. Il est archi tanky en fait. Combien d'HP? 3200. Eh ben. Il y a du bon monde. Il y a du monde au balcon. En plus le stun de lui c'est vraiment pas mauvais. Hein. 2,5 secondes, c'est énorme. Énorme. Full AoE comme ça là. Boum. Incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie, frère. Oh. Oh merde alors. Comment ça? Non, une auto, mais arrête de monter! Que il monte, frère! C'est moi qui vais te monter en l'air, c'est un ouf ce type! Pourquoi il monte comme ça? Descends! Il y a trop de brume là. Parole. En fait, à chaque fois, il peut tuer le mec et il monte en l'air. J'ai pété un plomb, moi. Tor 5. Le problème, c'est qu'il est trop tanky pour être Tor 5, c'est dur à battre. Faut peut-être que je scout un petit peu, que je joue un peu le positionnement quand même. Je pense qu'il faut faire ça. Pour avoir quand même un cast dans une direction intéressante. Comme ça, Séraphine en plus, elle va bien cast. En vrai, lui, je pense pas que ce soit un bon matchup. Hein. Ok, il s'envole. Un peu régène. Hein. Free Loven plus la hoge, là, il régène beaucoup. Oh là là, incroyable. Nice. La scale avec Archangel. Et voilà Clapio. Petit galop full AD là. Donc quoi Yumi, frère. Je t'ai trompé de rêve là. En vrai il me faudrait un... Ah mais j'ai déjà un Morello, je suis con. Je pense que c'est la Séraphine ouais, qui fait plus de dégâts en deuxième. Peut-être ça... C'est quoi le mutant? Voracius, ouais. Ouais, mais lui, il est trop fort. Pour battre le mec qui joue... machin, là, il me faudrait un... Je sais pas ce qu'il faudrait, en fait. Parce que Morello, ça sert à rien, au final, il y a tellement de shield. Allez, calme-toi, Samira, là. Va dormir un peu. Ça te fera du bien, réfléchis beaucoup. Top 3, ouais, je pense top 3. Parce que les deux, là... Enfin, je peux battre l'un des deux, mais dès que l'autre, je le face, là, c'est la merde. Putain, ils ont gagné tous les deux. Oh, j'ai trop line si je le fais, c'est que derrière les deux survivent, ce serait tellement triste. Ça m'étonne. En vrai, je top 4 au moins, je pense. Arcane, ça sert à rien.
Gira, c'est pas trop mauvais. A mon avis, Zeke, c'est pas mal. Non, mais je casse les couilles, frère. Comment ça, Midnight comme ça? Je peux prendre ça, c'est pas grave. J'aurais pu faire un deuxième machin, là, mais... Je vais faire un Archangel. Il y avait une BF, je crois. Ouais, mais je préfère Archangel, en fait. J'ai l'impression que le fight dure tellement longtemps avec la tankiness de ma fonte, là, que... En tous les cas, ça survit, tu vois. Et du coup, elle peut recast 2-3 fois, genre, peut-être, là, l'Oriana. Ok, là, pour l'instant, je le bats. T'envole pas, s'il te plaît, mon frère, ne t'envole pas. Ok, pas mal, nice. Attends, mais je peux le battre, hein. C'est bien gentil, Vorasus, mais à un moment, c'est une... Bon, après, c'est une KSA 1, le truc, c'est ça. Il est 9, lui, ouais, il est 9, donc quand il va trouver KSA 2, ça va être dur. J'aurais peut-être dû roll les KSA. C'est un peu risqué de pas push maintenant, quand même. Je push maintenant, je sais jamais. Je sais pas. Ah, c'est un bon broom là parce que j'étais tellement conteste que. Enfin, je crois qu'il y en a un qui le joue et qui est mort. Mais la value de Protector 2 juste sur un gros son comme ça avec le Colossus et tout, c'est vraiment pas mal. J'ai dû le sort là. Nice. Attends, Pidgey, je peux le battre, je pense. Pidgey, je le tiens, je pense. Faut que j'y fiche, ça comment le battre. Je vais peut-être jouer en 4... Je vais perdre le heal de Socialite, ça m'étonnerait quand même. Mais je pourrais perdre le heal de Socialite pour rentrer 4 bodyguards. Après, il a du shred, donc à mon avis, la value est pas ouf. Surtout, il a les dégâts de talon. Sinon, je peux faire quoi? Bon, Shojin, c'est vraiment pas mal ici. Sur elle. Faut que je mette du monde derrière là. Je peux jouer Yumi 2 sinon c'est bien aussi. Si je touche Yumi 2, je joue Yumi 2 sinon c'est pas grave. Je joue Janna, c'est pas grave. Je vais essayer de ça. Franchement, ça se trouve, je me trompe au niveau du play. Mais ça m'a l'air correct. Ok, j'ai bien stun Samira là. Je la re-stun derrière. Yumi diff. Moins 15. Attends, il est mort là. 1, 2, 3, 4. Non, il a 2 HP. J'ai bien aimé ce play, maintenant je sais pas trop comment le positionner mieux. Ça va grab ici. Je suis pas forcément fan que ma Séraphine se fasse grab en vrai. Enfin, c'est pas mal en vrai, tu me diras, c'est bien. J'aime bien. Merde, j'aurais dû. Ah, c'est pas grave. En vrai, ça peut quand même le faire, je pense, mais j'aurais bien aimé les deux derrière là, j'ai troll. Après, je me dis, comme ça, je le bait, tu vois. Peut-être il swap et du coup, c'est pas le bon play. Ah, là, elle est trop bien placée, ma Séraphine, pour le coup. Elle peut pas se faire tuer du fight en fait. Je pense que c'est GG là-dessus. Putain, le comeback avec la pio là. Incroyable. Je sais pas, hein, elle fait mal quand même. Bon. Clean. Clean game. Faut croire en ses rêves, les amis. Quand on se dit je vais jouer Clapio, il faut jouer Clapio. C'est interdit de dire non. On peut pas refuser devant l'adversité, vous comprenez ?